Ça y est, les filles, nous sommes bien arrivées à Dubaï et franchement, je vous explique, il est encore très tôt, mais il fait archi chaud, vraiment là, j'ai même plus d'énergie, tellement je suis fatiguée du vol, j'ai même pas bien su dormir. Après, je mange quand même, dormi tout le vol. Bref, mais je suis vraiment claquée, j'ai une envie, c'est de rentrer, prendre ma douche. Donc comme vous le voyez, on a déjà récupéré la voiture, donc ça c'est bien. On n'avait aucun problème avec les valises, donc ça franchement je suis trop contente. Donc là on doit encore attendre pour faire le check-in parce qu'il est encore même pas 10h. Mais les filles, on se parle après parce que là je ressens vraiment à rien en fait. Ça y est les filles, je suis enfin apprêtée. On était parti à la salle, mais ça je vous ai bien montré. Ensuite on est parti déjeuner. Après on est venu dans la chambre, j'ai pris ma petite douche, je me suis maquillée un peu. Et là je me suis habillée, je vais vous montrer ce que j'ai mis, très simple. J'ai mis une petite robe blanche que j'avais d'ailleurs montré dans mon haul qui vient de chez Sandro. J'ai mis des petits accessoires et mes claquettes pour être confortable. Et franchement les filles, il fait archi chaud, mais j'ai remarqué que dès qu'on rentre quelque part ici, que ce soit pour manger ou pour se balader, il y a grave de l'airco. Ça veut dire que dehors t'as super chaud et tu rentres limite à froid. Donc je me suis dit bon, cette robe elle est bien parce que là on va direction la ville. Sûrement passerai au shopping pour voir un peu. Donc je me suis dit cette robe, j'aurai pas trop chaud ni trop froid. Donc je crois que c'est bien, en plus c'est confortable. Donc voilà, voilà. Et mon sac il est dans la voiture, je l'avais oublié hier dans la voiture. Donc voilà. Ah oui, et pour le room tour, je vous ai pas oublié, je vais faire ça dès qu'on rentre. Parce que ce soir on va aller manger au restaurant. Donc on rentre faire l'après-midi. Et quand on rentre, je vous montrerai le room tour. J'ai l'impression que j'ai déjà bronzé hier. Du coup, j'ai l'impression que mon t-shirt est trop clair. Heureusement que j'ai pris deux teintes avec. Donc, ce soir, je vais mettre le plus foncé. Vous connaissez, genre, si jamais je prends des photos avec flash, je vais être tout blanc en dessous. C'est pas le but. Donc, voilà. Arrivé en mall, les filles. Et honnêtement, je m'attendais qu'elle allait faire plus froid. Donc, je suis contente. Donc là on va se balader, à ce Paris c'est très grand. Ma belle, est-ce qu'on est grand comme ça en fait? Franchement depuis tout à l'heure on marche. J'ai toujours pas vu l'aquarium et j'ai soif. Donc faudrait bientôt s'arrêter pour boire un petit truc. Voilà, ça c'est pour les fainéants. Attendez, il arrive. Pour les fainéants entre nous qui ne veulent pas marcher. Mais vu que je suis un figure, moi je vais marcher. Regardez, on a un peu matching, coordonné. White and denim. C'est cute, non? Est-ce qu'on a fait ça exprès ou pas? Ça y est, les filles, Antonine est quand même venue se coiffer. Donc je l'ai accompagnée parce que normalement ça devrait pas prendre trop de temps pour se tresser parce qu'elle n'a pas beaucoup de cheveux. Ça devrait prendre entre 30 et 1 heure. J'ai quelques trucs à poster aussi donc je devrais regarder, planifier ça. Et voilà quoi. Ça y est, nous avons fini les cheveux d'Antonine. Tu montres? Moi je trouve que c'est magnifique. C'est archi bien fait. Elle a bien fait. Ouais, de ouf. T'as bien? Ouais. Et niveau prix, c'est pas si cher que ça. Bon, après, c'est plus cher qu'en Belgique, mais genre pour Dubaï et tout, je trouve que ça va. T'as payé combien encore? 100€. Ah oui, c'est beaucoup quand même. C'est pas cher pour toi, ça. Non, non, c'est beaucoup quand même. Si jamais vous cherchez une adresse à vous de faire tresser, je vous mets leur Instagram ici. Les filles, on fait pas attention à ma tête parce qu'il faisait super chaud. Après, je portais des lunettes, donc tout mon maquillage l'a bougé. Mais c'est pour vous dire que c'est trop bien ici. Il y a des gens qui mettent l'essence pour toi. Donc, tu n'as pas sorti de la voiture. Et pour moi, c'est idéal parce que moi, j'ai une phobie de mettre l'essence. Parce qu'à chaque fois, je suis stressée de la vie. J'ai peur de mettre le mauvais truc. Et après, que la voiture va plus fonctionner. Que ça. Bref, donc c'est trop bien en fait. Les filles, regardez comment c'est mignon. J'aime trop. Ils nous ont dit thank you for choosing, blablabla. En gros, merci pour rester chez nous, quoi. Ah oui, le room tour, je vous avais promis. Les filles, il faut que je me dépêche parce qu'on va être dans une heure sortie. Bref, donc là, quand tu rentres,
comme ça. Les filles, j'ai archi du retard, je ressemble à rien. J'avais prévu une tenue, mais ça va. Mon sac à main, tu l'avais, non? Bébé, mais tu le tenais. Tu me l'as. Les filles, c'est vraiment un carnage total, parce qu'une carnage ou un carnage. On a une heure de retard. On a une heure de retard. Là, vous voyez, les cheveux ont pétard parce que je peux plus me les voir, mes cheveux. Genre, limite, je pleurais parce que je déteste mes cheveux. Genre, je me suis jamais trouvée aussi moche. J'ai pas pris d'alias élastique non plus. Je voulais faire genre une plaquage, vous voyez. Mais bien sûr, j'ai oublié mes élastiques. Donc là, on doit aller s'acheter des élastiques. J'espère que j'en trouve. Et voilà, pour la petite tenue, pour la référence, ne faites pas attention à mon sac. Parce que j'ai les histoires pour mon plaquage là-dedans. J'ai mis une robe simple noire. Voilà. Bon, les filles, nous sommes arrivées. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de rattraper le mieux possible mes cheveux. Donc voilà. Ouh, je failli tomber là. D'ailleurs, on a 40 minutes de retard. Ça va. Là, actuellement, il est 1h30. On va rentrer. Oh, je suis fatiguée. On devrait démarrer au début de soirée. Je m'amusais pas trop bien. Et après, qu'est-ce qu'il veut? Après, tu t'es lâché, frère. Je me suis lâchée pas à mon maximum, on va dire 50%. Mais ça a été quoi? C'est quoi cette voix qui nous fait? C'est un voix sexy. We did not get a scan the card from upstairs. Yeah, it's from them, maybe. Bonjour, nous sommes le lendemain, les filles. Je suis très fatiguée, je sais pas si ça se voit, mais on s'est quand même réveillé et tout. Après, on n'avait pas trop tardé non plus. Mais en tout cas, débrief d'hier, je trouve que c'est bien passé. C'était un. En fait, moi, Anthony, on croyait que c'était un restaurant. En vrai de vrai, c'était un boîte resto. Donc, tu peux manger. Donc, on était là en mode ah ouais, d'accord. Mais on était avec une groupe d'amis, donc des amis à Anthony. Je suis plutôt bien passée. Au début, c'est vrai que j'étais là en mode je sais pas si je vais m'amuser et tout, parce que c'est des musiques que j'aime pas trop, machin. Mais au final, après quelques verres, vous me connaissez, donc je me suis amusée, ça a été. Ma première rentrée, je vous dis même pas dans quel état que je suis rentrée, je me rappelle même pas comment j'ai dormi, tellement j'étais fatiguée. Donc je vais vous montrer un peu où on prend le petit déj. Des fois on s'assied à l'intérieur aussi, bah des fois ça fait deux jours qu'on est là. Là on a décidé de se mettre dehors. Donc voilà quoi. Les filles, je me suis apprêtée pour aller à la plage, juste ici à l'hôtel. J'ai mis un petit bikini orange et un kimono. Et let's go. Oula, c'est vraiment archi zoomé. En tout cas les filles, aujourd'hui, je vous cache pas que je me sens pas très très bien. Je crois que c'est à cause d'hier, j'ai mal au ventre. Même ce matin, je vous avais filmé au petit déj, mais j'ai pas su manger grand chose. Parce que j'avais mal au ventre, donc je me suis un peu forcée à manger. Ensuite, je me suis reposée, j'ai pris un bon douche. Là, j'ai laissé poser un soin, vu que j'ai fait ma coloration de mes cheveux. Alors là, je vous ai même pas dit, mais je suis vraiment pas contente avec mes cheveux. La couleur, j'aime bien et tout, c'est comme d'hab. Par contre, la longueur, j'en peux plus. J'ai l'habitude d'avoir des extensions. Et là, en ce moment, avec un carré comme ça, oh, qu'est-ce que je me trouve moche. Et je sais pas, c'est que les filles qui vont comprendre. Genre, quand tu pars en vacances et tu sens pas bien dans ta peau, tu sens pas belle, c'est vraiment super compliqué. Genre, j'ai l'impression que j'ai tout pour moi, mais je me sens pas bien. Genre, je devrais être heureuse, je suis en vacances et tout. Mais bref, c'est très superficiel ce que je dis là, mais. Voilà, je vous raconte un peu comment je me sens, mais sinon tout se passe bien. Petite mise à jour, nous sommes de sortie. Quand on arrive, je vais vous montrer ce que j'ai mis. J'ai essayé de plaquer mes cheveux, donc là oui, je suis dans la voiture avec le flash en fait, pour vous bien montrer ma mise en beauté. Parce que je vous cache pas qu'aujourd'hui, je trouve que j'ai d'être ça en fait. Vraiment trop beau. Ça y est les filles, nous avons enfin trouvé les fontaines et les bourges là derrière quelque part. Mais je suis dégoûtée, j'ai pas beaucoup de batterie. Et en plus, le moment où on est arrivé, le show de Fontaine il était occupé. Mais genre, tellement je prenais des photos et tout avec mon iPhone, j'ai pas su filmer. Mais je pense que ça reviendra après. En tout cas, c'est très, 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 très beau.